Bonjour à tous, je suis Pauline de Girl Best. Maintenant, je voudrais vous présenter un nouveau produit de Meizu qui est une marque connue des smartphones et qui ont déjà sorti beaucoup de modèles avant, comme Meizu Note 2, Meizu Pro 5, qui sont populaires en dans le monde entier, surtout en France. Je pense que vous avez déjà lu beaucoup de tests dans les forums ou sur beaucoup de websites français. Alors, aujourd'hui, c'est un nouveau modèle de Meizu, c'est Meizu Note 3. Alors, comme d'habitude, un petit déballage pour vous faire savoir quelques détails. Mais si vous voulez savoir plus d'informations, n'hésitez pas à vous abonner sur notre Facebook ou notre blog en français. Alors, pour l'emballage, c'est excuse-moi de mon français. Alors, pour l'emballage, c'est tout en blanc simple. En chinois. Le design, l'apparence. Alors, c'est Meizu. L'apparence. Je vais passer ici. L'apparence de ce produit est très très élégant. Je voudrais dire élégant parce que d'abord il ressemble à iPhone 6. Alors pour vous faire savoir, j'amène iPhone 6S, pardon, mais c'est en champagne pour vous faire savoir le design. Alors ici, c'est presque le même, mais le métal, comment dire, le matériel, c'est tous en métal. Alors c'est métal, métallique, un matériel métallique. Ici, c'est très très élégant. Alors ici, c'est rond comme iPhone 6. Et logo, Meizu. Avant. Presque le matériel en face, c'est comme iPhone, c'est je ne sais pas comment décrire en français, mais le sens de touche, c'est presque le même, comme vous pouvez voir, pour faire savoir plus de détails. C'est ici, c'est anti des rayures. Et l'écran, c'est plus grand que l'iPhone. Ici, c'est iPhone 6, le petit. Alors, ici, c'est 5,5 pouces. Alors, pour le design, tout d'abord, j'aime beaucoup ce design. Et deuxièmement, ce que j'aime, c'est... c'est la batterie, parce que ce modèle Note 3 se dispose d'une batterie de 4100 ampères. En fait, c'est très je le charge pendant 10 minutes tout à l'heure, alors presque 25% de batterie d'énergie ont rechargé. Et puis tout à l'heure, j'ai regardé un film pendant une demi-heure, alors ici le pourcentage tout à l'heure c'est 79. Alors après que je regarde un film pendant une heure, normalement il se diminue seulement 1% de son batterie. Alors c'est vraiment vraiment impressionnant. Excusez-moi que je ne note pas le temps que je regarde le film, mais l'autre fois, si vous avez besoin, je peux vous faire une capture d'écran pour le tester. Alors
Alors, c'est la deuxième point très très fort, c'est sa batterie de 4100 ampères. Le troisième, c'est comme Xiaomi Redmi Note 3. Ici, son SIM card. SIM card. C'est double SIM card. Un SIM card petit. Et puis un SIM card nano. Nano pour qui vous pouvez servir comme un SIM card pour utiliser deuxième SIM card ou bien vous pouvez l'utiliser comme TF SIM card jusqu'à 128 gigabits. Alors c'est si vous avoir besoin si vous avez besoin d'une grande stockage, ça c'est un bon choix pour vous et très pratique. Alors, comme langage de ce smartphone, en fait, ce langage, c'est y compris, pour ce smartphone, c'est en chinois et en anglais, mais si vous l'achetez chez notre boutique, nous installons pour vous la langue française. Il n'y a aucun problème pour les clients francophones. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de laisser votre commentaire dans la description, sous cette vidéo. Je vais vous répondre au plus vite que possible. Mais si vous voulez savoir plus d'informations sur nos autres produits, n'hésitez pas de vous abonner sur notre Facebook en français, que vous pouvez trouver le lien dans la description, où vous pouvez lire plus autres articles sur notre blog. Nous avons publié beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles sur nos nouveaux produits, ainsi des promotions. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine fois. Bye bye.